Nous sommes rassemblés ici, au Palais national, pour confier à Dieu, dans le rite solennel du Te Deum, notre cher pays et son nouveau président. Nous sommes conscients qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire, car si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Dans cette circonstance qui nous réunit comme peuple, la parole de Dieu vient nous rappeler le sens profond, la raison d'être de toute autorité, de tout pouvoir et de tout gouvernant, et surtout s'il est un chef d'État. Il s'agit de servir en vue du bien commun. Servir la nation dans son autonomie et dans sa souveraineté à sauvegarder et à raffermir. Servir le peuple dans sa lutte pour de meilleures conditions de vie. Servir la famille, cellule fondamentale, structure de référence et éléments précieux de toute société. Servir la personne humaine dans sa dignité inviolable. Servir la vie dans sa sacralité inaliénable. Servir le droit et la justice, condition et fondement de la paix véritable. La justice élève une nation, nous dit le livre des Proverbes. Une parole qui trouve écho dans cette affirmation de saint Augustin d'Hippone. Enlève le droit, et alors, qu'est-ce qui distingue l'État d'une grosse bande de brigands? Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, président de la République, à vous, aujourd'hui, revient l'insigne honneur et incombe l'impérieux devoir moral de servir inconditionnellement les Haïtiennes et Haïtiens. C'est une lourde responsabilité politique. Aussi êtes-vous le président de toutes et de tous indistinctement, surtout des plus pauvres et des plus vulnérables. Plus que jamais, l'heure est au travail, l'heure est à l'action. La tâche que nous avons à accomplir ensemble est immense. Nous adressons un vibrant appel à la responsabilité personnelle et sociale, à la solidarité nationale et internationale, et surtout à l'engagement de l'État haïtien pour qu'il s'investisse et investisse dans la reconstruction de notre pays. En terminant, laissons-nous encore interpeller par la parole de Dieu en cette circonstance solennelle. Au moment de son intronisation, le jeune roi Salomon est invité par Dieu à lui demander ce qu'il désire. Il fit cette demande. Donne à ton serviteur un cœur docile pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Aujourd'hui également, à l'occasion de l'investiture du 58e président de la République d'Haïti, nous demandons à Dieu pour lui un cœur docile et intelligent pour gouverner le peuple haïtien avec sagesse et sollicitude, non par une misérable cupidité, mais par dévouement, comme dit l'apôtre Pierre, pour conduire ce peuple, le mener par le juste chemin
vers les eaux tranquilles dont parle le psaume 22. Nous demandons pour lui la capacité de discerner entre le bien et le mal, de choisir les citoyens sûrs, honnêtes et bien préparés, quelle que soit leur appartenance politique, pour les faire siéger à ses côtés. Et enfin, nous demandons au Seigneur, pour notre président, le courage de travailler sans relâche à l'établissement d'un état de droit, au renforcement des institutions du pays et veiller à la bonne gouvernance, condition indispensable au développement intégral et durable de notre Haïti chérie. Daigne le Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, notre patronne, continuez à veiller sur nous, sur Haïti. Assistez le nouveau président et son gouvernement et qu'ainsi, ils prennent en grâce notre pays et le bénissent. Amen. La paix soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et vous tous qui êtes ici réunis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Ce devoir, Émilie, nous allons passer à un autre temps fort des cérémonies de restitution du président Jovenel Moïse. Et nous connaissons tout le peuple haïtien qui attend moment ça avec un pile impatience. Compatriotes, moi, yo. Frèm ak sèm yo, pèp ayisyen, premye mò map di nou jodi a, se mèsi. Map di nou mèsi, map di tout militan nou yo ki tombe nan batay manch long nou menè. Ou demokrasi a, yo mèsi spesyal. Yo mèm, tou, yo ren jou sa posib. Mwen pap jambliye yo ansama tout fami yo ki an dey jodi. Mande, on rekoyman, minute rekoyman pou yo.
M'a dit nous toutes merci parce que nous t'ai choisi dans l'élection présidentielle 25 octobre. Merci parce que nous re-choisis encore dans l'élection 20 novembre 2016. Nous mettons président à un seul coup de cœur. Moi, j'ai conscience de qu'aucune chaîne responsabilité ça a nous pas moins. M'a profité pour me féliciter nous parce que nous choisi démocratie dans place anarchie. Chimer la paix dans place violence. L'ordre et progrès dans place désordre et brigandage. Ça fait pays nous fait battre. Mission PAM, c'est bâtir une société, une nation qui fait fierté nous toutes. Pour nous accomplir la mission, il faut que nous réformions l'école. Nous. L'école n'est pas là seulement pour la connaissance. L'école, c'est former bons gens citoyens. Ça veut dire, les gens qui sont prêts pour servir le pays. Moun ki comprend faut intérêt pays a passé avant intérêt personnel. Bagay sa yo, c'est depuis l'école pou ti moun apprendre yo. Mission PAM, c'est créer conditions pour chaque haïtien vivre pi bien. Mission PAM, c'est craser toute barrière qui gagne entre moun en dehors ak moun la ville. Moun riche ak moun pauvre, moun noir ak moun rouge, moun en haut ak moun en bas. Haïtien k ap viv nan peyi a ak haïtien k ap viv nan diaspora. Nous tout c'est haïtien. Nous pral bati yon sel Haïti pour tout haïtien. Yon Haïti côté discrimination pa dwe empêcher réussite économique ak social. Personne. Yon Haïti, côté moun papilité contre pauvreté seulement. Yon Haïti, côté tout moun gajon yon la vie miyon. Moi prends engagement jodi pour me travailler pour nous rebay Haïti dignité. Moi prends engagement pour me travailler pour jeune femme et jeune garçon envie vivre dans le pays. Je prends le travail pour permettre à mon diaspora qui voulait retourner la caillou. Pour qu'on fasse ça sans qu'elle saute. Pour diaspora venir faire business, créer job, participer tout bon vrai dans le développement du pays. Je vous un gros coup de chapeau pour toute institution et autorité dans l'État pour le travail fait qui permet l'aboutissement du processus électoral. Aïe Bobo pour nous, messieurs dames. Haïti retourne sous chemin démocratie. Oui, Haïti retourne sous chemin démocratie. Y a un gros respect pour les Haïtiens. Haïti, c'est une mine richesse. Haïti, c'est une boule diamant. Pourtant, petit li a souffri dans la misère. Parce que nous refusons mettre tête nous ensemble. C'est ça que je viens de dire. Je viens de dire nous capables, si nous voulons, c'est mentalité au monde changer. Compatriotes, moi, yo. Jour arrivé pour nous mettre terre, rivière, soleil, avec nous ensemble. Pour nous développer le pays. Je n'ai besoin de tout le monde. Tout ancien candidat. Tout le monde qui a voté pour moi.
tout le monde qui n'a pas voté pour moi. Ni le monde qui n'a pas voté du tout. Nous besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout pour Haïti qui a levé aucune chaîne de fils à A. Peuple haïtien, mes très chers compatriotes, le sentiment qui m'anime en ce 7 février est un sentiment d'humilité. Je mesure avec discernement la lourde tâche qui nous attend. J'ai conscience du long chemin parcouru et de tous les efforts que nous avons consentis pour permettre à la démocratie de vaincre. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cette victoire. Merci beaucoup. Le peuple attendait depuis plus d'un an cette cérémonie d'investiture. Il a franchi avec force, détermination et courage tous les obstacles et les pièges tendus pour bloquer la marche de l'histoire et de la démocratie. Merci, peuple haïtien. Mes chers compatriotes, nous sommes enfin rassemblés au nom d'une entreprise qui, imaginée depuis des années par des hommes et des femmes passionnés par les idéaux de justice et de liberté, devra amener le pays vers le progrès humain et la prospérité partagée. Je m'engage à travailler du premier jusqu'au dernier jour de mon quinquennat. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je vais commencer à travailler dès aujourd'hui jusqu'au dernier jour de 2022. Je vous dis que vous n'allez pas avoir l'esprit et le cœur qui pensent que Jovenel Moïse, votre président, le président que vous avez choisi, ce président, à la fin de son mandat, le résultat sera positif. Je m'engage devant vous, peuple haïtien. En ce moment où j'ai l'immense honneur de présider à la destinée de mon pays, je pense à nos aïeux qui nous ont laissé cette terre en héritage. Porté par l'amour profond de notre pays, je ressens une immense fierté d'être haïtien. Chacun de nous, femme ou homme, fille ou garçon, a le devoir d'être à la hauteur de ce noble héritage qui hisse Haïti au rang des premiers combattants victorieux de la liberté, de l'égalité et de la dignité sans considération de race, de classe, de couleur ou de fortune. Notre responsabilité est grande, mais elle est noble. Elle consiste à embellir et à travailler à l'enrichissement et au progrès de la nation. Nous nous devons de transmettre à nos enfants un pays qui fait rêver, qui trouve toute sa place dans le concert des nations. C'est une lourde responsabilité qui nous incombe devant l'histoire. Car l'avenir d'Haïti ne sera que ce que nous en ferons. Je compte sur vous. L'heure est venue de mettre en œuvre le changement décidé par le peuple le 20 novembre dernier. Oui, il est venu le temps de conjuguer intégrité, moralité, mérite, ordre et discipline. Sous mon administration, jamais, plus jamais, la justice et les institutions haïtiennes ne pourront être instrumentalisées à des fins de persécution politique. Le temps de restaurer la confiance entre le peuple, les dirigeants et les institutions du pays a sonné. La confiance des citoyens dans les institutions est la condition indispensable pour stimuler l'effort national
combattre les crises institutionnelles, consolider l'état de droit, relancer l'économie, améliorer les conditions de vie générales de la nation. Nous allons mettre en valeur et cultiver les terres disponibles, construire les routes, les ponts, le réseau électrique national muni de son réseau fibre optique, édifier des écoles, des dispensaires et des hôpitaux, faciliter le développement de grands projets touristiques, tirer au maximum les avantages des lois Hope et Help en faisant la promotion de l'investissement dans le secteur de la sous-traitance. Nous allons impulser des politiques publiques pour une Haïti forte et innovante. Redonner l'espoir à tous dans un esprit d'unité et de concorde nationale. Nous allons travailler pour l'émergence d'une Haïti économiquement prospère, socialement juste et écologiquement responsable. Je vous promets, durant mon quinquennat, de remettre la recherche du bien commun au cœur de nos priorités. Je serai le garant d'une Haïti juste, équitable et stable, garant du dialogue avec et entre tous les secteurs de la vie nationale. Pour ce faire, chers compatriotes, je demande à chacun de faire l'effort d'aller vers l'autre, de cultiver l'esprit de tolérance et du pardon. Aujourd'hui, ce n'est pas la victoire d'un camp sur d'autres camps, mais la victoire de la démocratie, du rassemblement et de la fraternité. C'est la victoire d'Haïti et de tous les Haïtiens. Tous mes collaborateurs vont devoir être animés de ce sentiment de servir Haïti avec amour et désintéressement. Les efforts de mon administration vont converger vers la restructuration et le renforcement des bases du système économique national afin de garantir les conditions pour une croissance forte, durable et équitablement partagée. Les actions du gouvernement qui sera constitué suivant les critères de compétence, de mérite et de probité doivent encourager la parité entre les femmes et les hommes et prendre en compte la question du genre dans la formulation et l'implémentation des politiques publiques. Sous mon administration, les règles de bonne gouvernance seront d'application stricte. La justice sera impartiale et équitable. Je vais m'assurer que toutes les forces vives de la nation partage une même vision du développement du pays et se dote d'une structure permanente de dialogue sur les questions d'intérêt général. Les états généraux sectoriels de la nation qui seront lancés tout au début de mon quinquennat devront contribuer à consolider notre démocratie et permettre à nos concitoyens d'aborder l'avenir avec assurance et sérénité. Excellence, chef de délégation, chers amis d'Haïti, distingués invités qui sont venus de loin pour assister à cette investiture, nous considérons votre présence comme le signe tangible du sentiment d'amitié qui a toujours animé les relations entre les courageux peuples que vous représentez et le valeureux peuple haïtien. Nous vous renouvelons nos remerciements les plus sincères et vous prions d'annoncer à vos pays respectifs que la démocratie est en marche en Haïti. Et que cette terre est plus que jamais propice à l'investissement et aux affaires. Durant ma présidence, je m'emploierai à renforcer les liens qui nous unissent, et si heureusement depuis tant d'années. Peuple haïtien, crise électorale à crise politique fait pays à fait bac en pile. Sous mandat là, nous pral faire politique là, mais l'autre gens. Nous pral mettre intérêt pays à devant. Intérêt pays à c'est développement. Intérêt pays à c'est renforcement institutionnel.
Intérêt pays, c'est vivre ensemble yon ak lot. Intérêt pays, c'est goumen contre corruption. Intérêt pays, c'est décentralisation. Intérêt pays, c'est faire collectivité locale jouer rôle. Intérêt pays, c'est réaliser toute réforme et prendre toutes mesures qui permettent aux jeunes femmes et jeunes garçons de reprendre confiance dans le pays. Nous avons un mandat pour me faire changement. Moi, pour aller faire changement. Nous pourrons renforcer toute institution. Nous avons modernisé l'État et puis fait décentralisation. Faut que citoyens suspendent victimes en bas à l'État, à monde qui dans l'État. Faut que réforme économique soit faite tout bon vrai pour justice sociale là qui vient une réalité dans le pays. Nous pourrons encourager monde faire business, nous pourrons utiliser tout avantage nouvelles technologies offrir pour nous faire pays avancer plus vite dans intérêt tout citoyen. Quitte ça qui vivre la ville, quitte ça qui pas vivre la ville. Ensemble, nous pourrons appliquer un projet national pour développer Haïti. Nous connaissons priorité dans le domaine, gros domaine ça qui est l'agriculture. Nous connaissons, moi je dis, faut l'agriculture modernisée pour nous capables, jeunes femmes. Avec les jeunes garçons, travaillent dans le pays. Pays nous belle, pays nous c'est une richesse naturelle. En pile, nous aimons visiter. Nous pourrons développer une industrie touristique là, pour nous faire plus de monde venir au pays, nous, pour nous créer plus de jobs. Par exemple, moi-même, nous tous connaissons ce nom. La citadelle qui campait dans le nord, qui sont gros monuments nous dans le pays. Combien de la citadelle par l'État qui est entré dans la question chaque année? Zéro. Je dis, je prends engagement devant nous pour me dire nous 700 000 touristes qui pourraient aller sur le nord chaque année sous deuxième mandat, dans fin deuxième mandat, quelqu'un a amené un touriste à monter citadelle pour aller dépenser l'argent. Pas jamais oublier ça. Toujours dit petit nous, à petit nous ça. Nous c'est pays qui a une plus belle histoire sur la terre. Nous c'est peuple qui vend rien. Nous c'est peuple tout qui remet recevoir mon lacaille. Par exemple, Carnaval Jacmel, gelé dans le caille. Nous connaissons la couille dans la Tibonie, Sodo dans le département d'Issan, Sodi Baril dans le département d'Eni. Tout côté dans le pays, nous parlons de la ville au camp dans le nord-ouest. Tout côté dans le pays d'Haïti, il y a un site touristique si vous voulez aller visiter ou aller. Mais le rôle de l'État, c'est mettre en valeur, créer conditions pour les gens qui arrivent dans nous. Nous, c'est peuple qui est plus vaillant. Nous, c'est peuple tout qui est pire et mieux recevoir les gens la caille. C'est pour ça que touristes aiment visiter nous en pile. Nous songez, les petits mouns, sous Bissantin, dans Port-au-Prince, te connaît un gros bateau touriste. Les mardis, les jeudis, dans le boulevard Cap-Haïtien, te connaît un gros bateau touriste. Je dis à côté. Nous pral refaire ça encore. Nous pral faire depuis un touriste visiter nous yon l'année pour le prendre goût retourner chaque année. En nous tous mettre main. Jour arrivé pour travailler à commencer. Jour arrivé en nous rassembler, en nous coller les épaules pour nous faire combat ça. Pour mettre tout bon vrai. Terre, rivière, soleil là,
avec nous ensemble pour développer pays nous, pays d'Haïti que nous remet en pile là. Nous prenons marcher dans l'ordre, dans le respect la loi, dans le respect yon pour l'autre. C'est ensemble, sans nous pas retirer personne. Nous prenons le travail pour nous créer conditions pour yon Haïti qui fait fierté dans cette nous. Fierté petite nous et petite. Je n'ai pas fini pour me remercier madame pour aider madame. Pour me remercier famille, petite moi qui là dans un moment difficile pendant 22 mois, qui pas découragé, qui était campé derrière. Zanmim yo, en pile qui sont dans la diaspora, ça qui sont en province, ça qui n'a pas tout prince qui là, bien en nous qui pas qu'à venir. C'est à manquer le devoir pour me remercier. Partisans, sympathisants, PHTK, je connais nous là. Avec tout potori, garçon ça qui te fait choix de moi avec parti politique là, Joseph Michel Madeleine. Et abdi-nous tout, nous pas pour autre, parce que c'est travail qu'on travaille, parce que c'est bonheur qu'on leve et c'est dame qu'on donne. Et nous connaissons, nous sommes religion pour la paix de là. Ça veut dire pile bagaille. Religion pour la paix, les regrouper toute tendance religieuse que nous venons au pays. Je n'ai pas qu'à finir le discours ça sans pas demander tout le monde, dans toute croyance, et spécialement religion pour la paix, pour nous consacrer 3 journées de prière pour l'Esprit bon Dieu qui a bonne sagesse. Pour nous lever le pays et puis qu'on dit peuple là dans la bonne direction. Bon Dieu béni nous. Vive peuple haïtien. Vive démocratie. Vive Haïti. Que bon Dieu béni Haïti.